Bonsoir et bonjour à vous qui nous suivrez en rediffusion à Kolwezi, à Lubumbashi et partout ailleurs. Je vais d'abord vous présenter mes invités afin que vous sachiez au nom de qui je vais vous présenter, n'est-ce pas, vous souhaiter la bonne année. D'abord, Mobimba Ashimba. Mobimba Ashimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Kibambi Shinto. Ex-Cyril. Deuxième personnalité à présenter. C'est Cyril Mobimba. Modeste Monigaba. Oh là là, c'est grave. Modeste Monigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. Voilà, pour qu'on sache que ça n'était pas trop préparé. Ensuite, monsieur l'abbé José Pundu, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre. On le reconnaît de par son clergyman. Maître Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Voilà, au nom de toutes ces personnalités, parce qu'elles sont connues, je les appelle personnalités, de toute façon, comme elles ont quelque chose dans la tête, c'est l'appellation qu'elles méritent, ces personnalités. C'est au nom de ces messieurs que je vous présente avec ce sourire nos vœux les meilleurs pour que, grâce à Dieu, en tout cas nous le demandons, que l'année prochaine nous nous retrouvions ensemble, vous tous qui nous suivez. Alors, vous avez lu l'intitulé de cette émission, « Quelle intelligentsia pour sauver le Congo ?» Je vais vous surprendre, chers amis. Et d'ailleurs, je ferai comme en trigonométrie. Vous savez ce qu'on fait en trigonométrie, on fait quoi? Du négatif vers le... Tiens, vous souvenez encore de ces choses-là. Qu'est-ce qui n'est pas intelligentsia, Modeste Bodigaba? Oui. Là, je vous prends de court, là. Tout à fait, mais je crois que tout le monde se rend compte que intelligentsia vient de intelligence. Que donc, tous ceux qui peuvent être considérés comme des gens intelligents sont éligibles dans la catégorie qui nous intéresse, donc de l'intelligentsia. Et pour nous, après avoir parlé de l'intellectuel, après avoir défini ce que nous entendions par intellectuel, pour nous, il était bon de passer maintenant à cet intellectuel, mais dans un groupe. D'accord. Et c'est ce groupe-là d'intellectuels qu'on appelle l'intelligentsia. Très bien. Maître Magala. Oui, c'est comme vient de dire M. Bonigaba. En fait, parlant de l'intelligence, on vise l'élite intellectuelle d'une nation. C'est cette élite-là, comme il a dit, un groupe des gens qui réfléchissent pour le bien de la nation. Ces groupes-là, l'élite intellectuelle, ce sont des hommes en fait qui s'engagent pour faire l'histoire. Avec pour prendre rendez-vous avec l'histoire. Oui, à travers les décisions qu'ils prennent, à travers les actions qu'ils font pour orienter le destin de la nation. C'est un peu comme ça que je vois l'intelligentsia. C'est l'université aussi, c'est l'école où nos sages peuvent être assimilés. Ça serait très restrictif parce que l'universitaire lui-même ou le lettré, ça ne fait pas de lui nécessairement un intellectuel et encore moins un membre de l'intelligentsia. Ce n'est qu'une infime partie du cursus qu'elle devrait suivre. Encore que je ne sois pas d'accord complètement avec vous quand vous dites infime partie, c'est quand même tout aussi important. Oui, parce que l'effort individuel a beaucoup de place dans la recherche de l'intelligence. Merci, Maître Magala. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qui n'est pas intelligentsia? N'est pas intelligentsia tout ce qui ne se comporte pas dans le sens de l'élévation de l'homme. J'allais dire de l'esprit, mais l'esprit c'est trop restreint. L'élévation de l'homme. Ça me suffit, monsieur l'abbé. Mon cher Mobimba Cyril. Oui.
Pardon, Cyril Hachimba. Non, Moubimba Hachimba. Oui. Oh là là. Ne font pas partie de l'intelligentsia. Ce sont des gens qui ont peut-être un peu d'intelligence, qui ont certainement des diplômes, mais qui ne s'en servent pas pour le travail et la culture. Très bien. Ceci étant dit, si vous ne vous retrouvez pas dans la catégorie de ce qu'on vient de qualifier ici, ça veut dire que vous êtes tout aussi intéressé. Suivez donc cette émission avec beaucoup, beaucoup d'attention. Monsieur Moubimba, j'en viens à vous maintenant. Vous connaissiez l'intitulé de cette émission. Qu'est-ce que vous avez pensé communiquer aux autres comme substance? D'abord, en venant ici, vous êtes dit non, je vais dire en deux, trois mots. Quand on parle d'intelligentsia, comme le terme d'ailleurs, oui. C'est le terme en français, il vient de l'Est, de la Russie, de pays de l'Est. Très bien. Et ça veut dire, c'est pas des intellectuels, comme l'a dit Magala. C'est pas les intellectuels. Mais les gens qui ont un bagage intellectuel, bien entendu, mais qui utilisent ces bagages intellectuels avec sagesse et détermination et volonté d'élever, comme vous venez de dire, d'élever la société par le travail et par leur culture. Donc ça signifie que le travail efficace qu'on produit dans la société, qui respecte les règles de culture, les règles de les normes de société qui sont mises en place, quand vous produisez ce travail d'élévation pour le changement de la société, et dans le respect des normes de la société, pour respecter une culture donnée, à ce moment, vous faites partie de l'intelligentsia. C'est pas tout le monde qui va. Il y a des gens qui sont là, ils font un travail pour l'argent, qui ont étudié pour chercher l'argent, ou simplement ils ont étudié, ils n'ont rien fait de ça. Même parfois de l'intelligentsia, il y a des gens qui n'ont même pas été à l'école et qui n'ont pas de diplôme. Quand on va dans nos villages, on trouve il y a une intelligentsia coutumière. Les chefs de village, ils ont une cour, des gens qui règlent les problèmes, qui font l'élévation de la société, pour préserver leur patrimoine par le travail et par le respect de leur culture. C'est une intelligence locale, traditionnelle. À laquelle il faut faire attention, qui a son importance. Monsieur l'abbé. Et lorsque j'ai lu l'intitulé de cette émission, Quelle intelligentsia pour sauver le Congo, j'ai tout de suite pensé à la capacité que devraient avoir tous ceux qui appartiennent à ce groupe social qu'on peut qualifier d'intelligentsia, la capacité de s'insurger, de provoquer une insurrection de conscience par rapport à tout ce qui est asservissement de l'homme, particulièrement de l'homme congolais, de l'homme africain, de l'homme noir en général, n'est-ce pas ? Tout ce qui est avilissement de l'homme, eh bien, pour moi, l'intelligentsia, c'est ce groupe d'hommes et de femmes capables de s'insurger, de provoquer une insurrection de conscience. Parce que ce qui caractériserait, à mon sens, l'intelligentsia, c'est un niveau de conscience qui se traduit par des actions qui correspondent à cette prise de conscience du changement qualitatif qui doit s'opérer au sein de la société. Vous êtes un révolutionnaire, monsieur l'abbé. De toute façon, vous l'avez toujours été. Révolutionnaire, oui, au sens
profond du terme. Révolutionnaire, ça veut dire apporter un changement qualitatif. Très bien. Et apporter un changement qualitatif avec des méthodes qui sont favorables à l'homme. Donc quand vous parlez d'insurrection, là... Insurrection, ça veut dire... Opposition. Non, insurrection, ça veut dire se lever contre. Se lever contre tout ce qui avilit l'homme. D'accord. Tout ce qui asservit l'homme. Eh bien, je m'insurge contre cela. Mais cette insurrection a un aspect positif. L'aspect positif, c'est que lorsque je m'insurge contre quelque chose qui avilit l'homme, je me pose d'une manière constructive à faire le contraire. Très bien. Amener le contraire de cela. Très bien. Maître Magala. Merci. Je voudrais commencer par d'abord lever une confusion qui règne dans nos sociétés au sujet de l'intelligentsia, justement. On peut même, en parlant comme ça, subdiviser en catégories les classes que les gens se font de l'intelligentsia. La première, c'est les diplômés dépourvus de savoir. Du fait de leur ignorance, justement, de leur médiocrité, ils sont diplômés, n'ont aucun savoir, ou un savoir très limité, mais qui font beaucoup de bruit. Et de cela, le politique en a besoin. Parce que ce sont des... Ils sont médiocres, et ce sont des instruments dociles qui sont dans la complicité la plus lâche, et qui transportent... Ils ne peuvent pas s'insurger. Oui, n'importe quel... qui transmettent n'importe quoi, pourvu que ça plaise à l'autorité. Ça, c'est la première. La seconde, c'est celle des gens mieux préparés pour leur spécialité ou leur spécialisation, mais qui sont dépourvus de tout sens moral. Donc, ils n'ont vraiment aucun sens éthique. Ils sont intelligents, ils ont le savoir qu'il faut. Ils utilisent l'intelligence. Oui, mais ils sont dépourvus de tout sens culturel et moral, éthique encore, ce n'est pas leur problème. Et c'est cette catégorie-là, généralement, qui a le pouvoir entre les mains dans plusieurs pays. Conséquence, comme ils sont partis de rien et ils sont allés très vite, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils se prennent pour les nombrils du monde. Donc, ils pensent avoir le suprême savoir, alors que ce n'est pas ça qu'on cherche. Il y a enfin, parce que dans cette catégorie-là, les gens oublient que le pouvoir ne confère pas le statut d'intellectuel, encore moins d'une intelligentsia. Non. Et nous avons enfin l'élite et l'intellectuel. C'est cette catégorie qui est devenue de plus en plus restreinte. Parce que pour parler aujourd'hui de l'intelligentsia, vraiment, c'est devenu une classe très restreinte qui, au-delà d'un grand savoir, ont aussi les qualités d'exception. Des qualités d'exception, notamment des exigences éthiques. C'est cette dernière classe-là qu'on cherche pour sauver le corps. C'est la crème. Voilà, la crème qui attend d'elle-même certaines fonctions en faveur de la société. C'est-à-dire, ce n'est pas des témoins passifs. Ils ne sont pas passifs face aux événements. Ils voient, ils réagissent pour l'intérêt de tous. D'accord. C'est cette catégorie qu'on cherche. Il sait distinguer le bien et le mal. Oui, Modeste Oligaba, vous n'avez pas le bon rôle parce que vous parlez à la... Non, pas du tout, au contraire. Non, je crois que, effectivement, le problème, c'est pour ça que je crois que ce titre est vraiment bienvenu, parce qu'on veut maintenant, c'est seulement maintenant qu'on voudrait attirer l'attention de cette catégorie de Congolais pour leur dire votre absence sur la scène politique ou les choses se disent, a fait que le pays est allé à la dérive. Parce que moi, je considère comme l'embryon de cette intelligentsia le petit cercle de conscience africaine qui était animé par, à l'époque, il était déjà curé, Maloula Albert, qui avait réuni autour de lui les Iléo, les Ngalula et bien d'autres, pour commencer à se poser des questions. Eh bien, cet embryon-là,
de Congolais qui réfléchissaient pour influer sur la marche de leur pays, a brutalement cessé d'exister, moi je considère ça comme ça, lorsque en 60, Mobutu écarte Lumumba et fait venir des étudiants, pour la plupart, qui étaient en terminale, et les met autour de lui pour dire, voilà, bon, nous, on va essayer de gérer le pays. Les commissaires généraux. Mmh. Les commissaires généraux, malheureusement, ce n'était pas ça l'intelligence. C'était justement ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'aller collaborer avec un pouvoir qui dépose le pouvoir légitime, élu par le peuple, au moment où la démocratie est en train de naître, ce n'était pas le beau rôle qu'on leur a donné. Et depuis lors, cette catégorie de Congolais a cessé d'exister. C'est devenu seulement des gens qui vont pour l'argent et qui sont très brillants par ailleurs, mais ce n'est plus cette catégorie-là des gens intelligents. Et c'est pour ça, je crois, que quand à la conférence nationale, le professeur Malua Kalenga conclut son intervention en disant qu'il faut une révolution de l'intelligence. Quoi que c'était dans le sens de ce que vient de dire l'abbé, qu'il faut que l'intelligence, effectivement, prenne le pouvoir. Parce que là, au service de l'homme. Parce que l'intelligence, nous avons déjà défini l'intellectuel, c'est celui qui allie à la fois un savoir académique tout à fait respectable, mais aussi des qualités morales exceptionnelles. Conclusion. Donc, c'est cet homme-là, ou cette catégorie d'hommes, qui n'a pas existé, ou qui n'a pas pris conscience qu'elle avait un rôle de premier plan à jouer sur la scène congolaise, que nous voulons aujourd'hui rappeler sur le devant de la scène pour qu'elle prenne sa place, toute sa place. Alors, mon cher ami Mubimba Ashimba, après tout ce qui vient d'être dit, votre réflexion. Ma réflexion, c'est au fait, quand je parle du Congo, je parle des différentes cultures original, le soubassement culturel qui existait ici, les ethnies qui ont existé avant le Congo que nous avons. Et nous avons partout les Sanga, les Nandé, les Bashi, les Pende, les Tuta, les Ndibu, les Mbaka. Ils existaient ici, il y avait une intelligentsia, comme j'ai dit. Et cette intelligentsia qui a fait, qui est le dépositaire de ces territoires que nous avons. C'est eux. Et vous voyez, quand nous avons en 1960, ceux qui sont sortis pour négocier l'indépendance avec des Belges, ils ont été scolarisés un peu, ils n'ont même pas eu des doctorats et des licences. Non, ils n'ont pas eu ça. Les plus instruits étaient ceux qui étaient dans les grands séminaires. Et en général, ils avaient 30 à 40 ans. Même pas 40 ans. Et les cas, ça vaut 38 ans. Moins de 40 ans. Donc nos enfants, aujourd'hui, c'est l'âge de nos enfants. Mais quand vous regardez le travail qu'ils ont fait, avec la détermination, avec les valeurs, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ici à Léopoldville ou à Stanleyville ou à Elisabethville des avoirs de ce que ces gens ont laissé. Non, il n'y en a pas. Parce qu'ils n'allaient pas pour s'enrichir, ils allaient pour le Congo. Vous voyez, ces jeunes gens-là qui sont à l'âge de nos enfants. Mais aujourd'hui, nous avons des docteurs, même des tridocs, qui ont 3 doctorats, des licenciés en sciences-là, et beaucoup de maîtres, des juristes, des économistes, des experts comptables. Oui. Mais, qu'est-ce que nous avons? Vers les années 90, on tournait en rond. Et puis, paf,
C'est fini parce que celui-ci est allé là-bas à la conférence nationale, il insulte l'autre, il n'avait pas si bien encore autre chose. Et parfois autour d'un mot, on dit le premier ministre ne sort de la famille autre que ça fait 6 mois pour discuter sur autre que ce que ça donne. Et aujourd'hui, on a même l'impression que c'est ce que tu as l'habitude d'appeler disque rayé. Et on revient là-dessus. Pourquoi? Nous avons plusieurs diplômés, nous avons des gens qui ont pris de l'âge, mais qui ne remontent même pas la cheville de ceux qui étaient en 60. Parce que ceux-là, ils sortent de sociétés où ils étaient formés. Et dans ces sociétés, je vous donne des exemple valeurs. D'une. Et, par exemple, quand tu vois chez les Pendé, Makoujinou Manene, quand on dit Makoujinou Manene, dans un village, ce sont des gens qui sont triés là, voyez. Makoujinou Manene. Et quand on te parle de à quoi qu'elle a, c'est même une catégorie encore au sommet qui reçoivent une formation spéciale. Quand il y a des problèmes sur eux. Mais à l'opposé, vous avez Ikata. Et quand ça signifie vraiment les médiocres, le terme d'ailleurs est bien. Le rebut de la les médiocres. Et il y a encore un autre terme, Ipoya. Ipoya, ça c'est, j'aime bien ça. Tu vois les arachides, hein? Tu peux trouver une arachide bien grosse comme ça. Quand tu fais pas à l'intérieur, il n'y a même pas de graines dedans. C'est ce qu'on appelle Ipoya. Alors tu vois, c'est beau à voir. Tu as dit, bon, tu es là, il y a un côté. Quand tu veux, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Alors tu vois la plupart des gens que tu vois là. Ce sont les Ipoya. Ok. J'allais dire, Monseigneur, bon, vous le deviendrez. Alors, monsieur l'abbé José Pondou, tout cela pour dire que, en fait, beaucoup de personnes ne travaillent pas pour l'élévation de l'homme, de la communauté. Et ça, c'est le drame. C'est le drame de ceux qui se considèrent comme l'intelligentsia dans notre société. Alors qu'ils ne le sont pas. Hein, parce que à partir du moment où tu veux t'inscrire dans ce groupe-là et être reconnu comme appartenant à l'intelligentsia, eh bien, il y a deux mouvements, hein, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Le premier, c'est celui que j'ai évoqué d'insurrection de conscience contre toute forme d'asservissement, d'avilissement. Hein, et aussi, j'ajoute, toute forme de sacralisation du pouvoir, de l'avoir et du valoir, dans la mesure où ceci déshumanise, opprime, réprime l'être humain. Mais est-ce que vous ne pouvez pas trouver un autre terme, parce que oui, peut-être que celui-là risque de faire peur à certains, insurrection. Je n'ai pas peur de ce terme. Ok. Parce que vous assumez. Je l'assume. Oui. Insurrection au sens où il y a une remise en question personnelle d'abord, tu vois. Et le mal, à mon avis, qui nous ronge, c'est de faire la remise en question de l'autre, de faire la remise en question des autres et éviter cette remise en question de soi-même. Ouais. Et j'ai toujours été marqué depuis ma prime jeunesse, hein, parce que ce livre-là, c'est mon papa qui me l'a montré quand j'étais encore, je terminais les humanités, j'étais même pas, je commençais les humanités, j'ai fait ce parcours et mon père m'a montré et a mis à ma disposition le livre de Mabi Kakalanda, la remise en question base de la décolonisation mentale. Et en grandissant, en faisant mon parcours d'études, eh bien, je suis tombé un jour sur ce livre dans une librairie. Je l'ai acheté et je l'ai relu, re-relu. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'insurrection dont je parle commence d'abord par une insurrection contre soi-même. Donc une révolte personnelle contre tout ce qui m'avilit, tout ce qui m'a servi en termes de pouvoir, en termes d'avoir et en termes de valoir, c'est-à-dire recherche de la gloire, n'est-ce pas? Et à contrario, eh bien, je m'engage dans une lutte pour les valeurs humanistes qui transcendent, n'est-ce pas, la vérité,
Aujourd'hui, il faut avouer que la vérité n'est plus toujours au rendez-vous. Non. C'est le mensonge qui est au rendez-vous, n'est-ce pas? Et le mensonge même institutionnalisé, okay, à différents niveaux, dans différents milieux, y compris même les milieux religieux, pas seulement les milieux politiques, d'accord, même dans les milieux religieux. Monsieur l'abbé. Alors, c'est là où j'ai dit, oui, conclusion, la lutte pour les valeurs humanistes, eh bien, c'est intégrer dans sa propre vie ces valeurs, les vivre soi-même et les faire passer à travers non seulement un discours ou des déclarations, mais surtout à travers un témoignage de vie. D'accord. Voilà pour moi l'intelligentsia dont nous avons besoin pour construire un nouveau Congo, pour construire un autre Congo. Sinon, on tourne en rond, hein, et on patauge et on s'en sort. L'intelligentsia doit servir d'exemple aux autres. Parce que l'exemple, c'est la meilleure façon d'apprendre aux autres ce que l'on veut apporter comme influence au monde. Oui, monsieur Magala. Je rebondis justement, merci beaucoup, sur ce que vous venez de dire, parlant d'exemple. Et à quoi on reconnaît un membre de l'intelligence, un intellectuel digne de ce nom? Justement, c'est par le fait qu'ils ne sont pas manœuvrables. Un intellectuel digne de ce nom n'est pas manœuvrable par aucun pouvoir financier, politique. Pourquoi? Parce qu'il agit par la force de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Voilà. Il respecte sa conscience. Il a une voie à suivre à l'intérieur de lui. Ce qu'il y a à l'extérieur n'influe pas sur sa façon de voir directement. Il a une conscience pour les valeureux, pour l'intrinsèquement humain. Et c'est grâce à ces qualités-là qu'on les reconnaît comme devant servir d'exemple. C'est-à-dire qu'ils bravent les risques au nom de la vérité. Ce sont les Galilées qui disent « on te tue », mais ils disent « oui, mais vous me tuez, mais c'est moi qui ai la vérité. La terre tourne quand même. Mais il faut arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de vivre, c'est quoi? Les gens, devant certains avantages, dénient tout ce qu'ils ont pour ce qu'ils peuvent avoir. Ce n'est pas normal. Nous avons été ici, vous avez suivi un grand professeur de droit constitutionnel dire que la conférence nationale souveraine égale conférence constitutionnelle. C'est grave, parce qu'il y avait un peu d'argent derrière. Ce n'est pas normal. Donc, nous devons être dans cette catégorie-là, qui accepte de braver les risques, et aussi fuir l'autre catégorie d'intellectuels qui, peureux, préfère se taire. Les blâmer à la limite. Voilà, ça c'est dangereux. C'est-à-dire, il y a cette catégorie composée de femmes et d'hommes qui s'occupent de leur quotidien calmement, mais qui ne veulent pas entendre parler de politique, qui ne veulent pas entendre parler de société. Et ils vivent une frustration permanente. Intérieur, oui. Ils préfèrent se taire et même se taire. Et là, c'est dangereux. Après, c'est sur les réseaux sociaux qu'on diffuse n'importe quoi. Au lieu d'agir, non. C'est ce que nous voulons éviter aussi, cette fait catégorie de fouillards. Parce que il arrive souvent quand, à la fin d'un mandat, on vous dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mais c'est elle qui m'avait dit de voler un peu. Enfin, voler un peu, je suis gentil. De voler carrément. Ah non, il faut avoir une conscience à ce point trempée que personne ne peut vous enlever, vous l'enlever à la limite, cette conscience. Mais, mon cher ami Boni Gaba. Oui, je crois que l'idée de considérer que l'intelligentsia est un groupe, cette idée qu'il faut marteler, parce que malheureusement, dans la réalité, ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on voit, tiens, mais celui-là, il semble faire un peu... On le prend. On le met dans le système. Un singleton. Oui. Oui. Alors, évidemment, là, ou bien il dit non, je ne peux pas, ou bien c'est sa femme qui lui dit non, mais toi, tu. Comment tu. Tu veux sacrifier la famille. Donc, c'est en tant que groupe qui peuvent effectivement influer. Et donc, faire en sorte que partout les décisions doivent se prendre, il y ait ce qu'on appellerait, on met la minorité de blocage, faite de cette catégorie d'hommes et de femmes. Parce que, vous imaginez par exemple,
que ici, dans notre Parlement. Depuis qu'on a commencé la démocratisation, c'est-à-dire, pour certains, c'est depuis seulement 2006, mais nous, on sait que c'est depuis 60, même s'il y a eu une longue parenthèse. Eh bien, les parlementaires, parce que c'est eux qui légifèrent, ils ont donc le pouvoir de décider que leurs indemnités vont augmenter. Parce que c'est eux qui font les lois. La loi budgétaire, c'est eux. Oublions ceux qui ont fait de ce qu'ils sont. Exactement. Et dans ce Parlement-là, il ne se trouve pas des gens qui ont lu quand même un peu ce qui se passe ailleurs. La Constitution américaine, elle date de plus de 2 siècles. Mais eux, ils avaient prévu qu'effectivement, les indemnités peuvent être réajustées au fil du temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont ajouté ? Pour ceux qui viennent. Seulement pour ceux qui viennent, pas pour ceux qui sont là. Eh bien, là-bas, ça n'augmente pas tout le temps. Je crois que la dotation du président des États-Unis vient d'être modifiée il y a à peine du temps de Clinton. Mm-hmm. Et là, ce n'est pas lui qui a bénéficié de ça. Mm-hmm. C'est son successeur. Donc, ces choses-là devraient être quand même des choses qu'on devrait normalement intérioriser pour savoir que on ne peut pas, sur le plan éthique, dire voilà, bon, comme c'est nous qui faisons les lois, on en profite. On devrait se dire non. C'est vrai que nous faisons les lois, mais nous ne pouvons pas donner au monde ou à nos compatriotes l'image des gens qui se servent d'abord. Mm-hmm. L'absence de l'éthique a fait que des lois comme ça sont passées. Aujourd'hui, ils sont arrivés à des montants, eux-mêmes, je crois, commencent à se gêner d'ailleurs, à proposer qu'on rabatte un peu et tout ça. Mais ça montre que là où il n'y a pas d'éthique, donc il y a d'intellectuels, cette intelligence, il y a comme groupe, des choses, des débordements de toutes sortes sont vite arrivés. Là où il n'y a pas d'éthique, il y a un groupe d'individus profiteurs. Exact. Oui, comme nous l'avons dit dès le départ, la définition de l'intelligentsia, nous avons dit que c'est un groupe pour le travail et un groupe pour l'élévation de la culture. Le travail, nous savons comment il doit se faire, mais je voudrais parler de la culture. Pour dire la culture, elle est assise sur des choses bien connues, parce que tout ce que nous voyons de la culture, ce sont des observables. Mais ce qui est invisible dans la culture, c'est justement les normes et les principes, c'est-à-dire les postulats fondamentaux qui tiennent même la société. Et si on ne respecte pas les normes, on va énerver les postulats fondamentaux qui tiennent la société. Et une va fois tomber. Que ces postulats sont entamés, la société vacille. Elle ne tient plus. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons. Vers les années 80, une petite anecdote. Un des amis, nous étions à l'université, enseignants à l'université. Un des amis, parce qu'on s'est metté à parler un peu de ce qu'est. Il se décide d'aller en politique. Il revient, on lui dit, mais même toi qui disais ici, mais comment tu te retrouves dans cette histoire-là? Il nous dit, mes chers amis, je vais vous raconter ce qu'on m'a dit. Voilà, qu'on m'a convaincu pour dire que non, venez toujours ne critiquer pas lui dehors. S'il faut vous compromettre, vous allez vous compromettre. Parce que bientôt, quand nous serons tous compromis, parce que presque maintenant toutes les familles ont déjà un candidat dans les systèmes, ils ont quelqu'un dans les systèmes, donc finalement nous sommes tous compromis. Et une fois que le système est détruit, eh bien, personne ne pourra attaquer l'autre, parce que on se sera tous compromis. Mmh. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Amnistie générale. Et entre-temps, nous, on aura fait notre argent. Et vous, vous serez pauvres avec vos discours de critique, mais qui ne vous amèneront à rien. Et ces raisonnements-là, ils continuent, il a même été fertilisé. C'est-à-dire, allons-y pour vous compromettre. À ce moment-là, on a détruit tout système de valeurs. On a détruit toutes les normes, tous les principes de vie qui font tenir la société sur les pédales. Et malheureusement, quand on a ça,
La société ne produit que les broyats. Tu crois qu'il y a quelque chose là-dedans, mais tu n'as pas à l'intérieur, il n'y a rien. Et pour rien. Et pour rien. Alors, monsieur l'abbé, si tout le monde va en politique pour s'enrichir, ce qui est le cas d'ailleurs, c'est fini. C'est fini. C'est la dérive. C'est la dérive totale. C'est la dérive totale. J'ai toujours comparé la politique à un sacerdoce. Si tu entres dans le sacerdoce comme je suis entré, très jeune, pour gagner des sous, pour se faire riche, pour s'enrichir, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. Et pareillement, si tu entres en politique, pour uniquement, je dis bien uniquement, parce que gagner des sous, ce n'est pas un mal en soi. Mais gagner trop de sous, non. Ça devient mauvais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on en fait une sorte d'absolu, que gagner des sous devient l'unique objectif, n'est-ce pas? Et encore que cet unique objectif va avoir un qualificatif. Gagner des sous de manière à utiliser ça égoïstement, individuellement, pour soi-même, pour son propre enrichissement qui te donne une certaine idée de valeur, que tu es valable parce que tu roules carrosse, parce que tu as une belle maison, parce que tu as plusieurs belles maisons, parce que tu as... plusieurs belles voitures et tout, et tu crois que tu as de la valeur. Partout où tu passes, on t'appelle Mopreso, on t'applaudit, n'est-ce pas, même pour des bêtises. Eh bien, ça, c'est le grand mal dans lequel nous sommes. Et c'est là où je me dis, l'intelligentsia ne peut pas être confondue avec un club, un groupe de gens qui entre en politique pour s'enrichir individuellement et parfois de manière même malhonnête, n'est-ce pas, par des voies malhonnêtes. Et ça, c'est le grand mal. J'ai beaucoup aimé quelque chose que j'ai entendu ici tout à l'heure de la part de Maître Bagala. C'est des gens qui ont dénié ce qu'ils sont pour ce qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est la catastrophe. Lorsqu'on dénie ce qu'on est, c'est-à-dire son être, on a dénié son humanité. Et lorsqu'on a dénié son humanité, on n'est pas loin de dénier l'humanité des autres. Et lorsqu'on dénie sa propre humanité et qu'on dénie l'humanité des autres, c'est la destruction de, je dirais, du monde. C'est la destruction de la société. C'est la destruction du pays. Et c'est là où je me dis que le rôle primordial de l'intelligentsia, c'est de redonner à l'homme sa véritable place, qui est la place primordiale, la place première en tout et pour tout. L'homme comme acteur de son développement, de sa promotion, mais l'homme aussi comme bénéficiaire. Donc, il est à la fois acteur et bénéficiaire. Oui, monsieur l'abbé, je vous coupe. En réalité, souhaiter, en volant de l'argent, on souhaite en même temps le malheur des autres et on se complaît à les voir malheureux. Ça, c'est dénier complètement l'humanité. Je vous donne complètement raison. Et c'est très grave dans notre société, dans la mesure où il y a comme une sorte de blanchiment de cet argent à travers certains comportements que nous pouvons observer. Bien, j'ai volé dans les caisses de l'État autant et je vais dans une église à laquelle j'appartiens, n'est-ce pas, ou je vais dans une œuvre humanitaire, n'est-ce pas, et je me dédouane en quelque sorte et je blanchis quelque peu cet argent.
gens de manière religieuse ou de manière qu'on dit humanitaire. Moi, je crois qu'il est temps qu'on arrête ce genre de choses et qu'on se dise, l'argent que j'investis en religion ou en des œuvres humanitaires, c'est l'argent gagné, c'est l'argent gagné à la sueur de mon front. Oui, Maître Magala. Réjoignant ce que venait de dire M. l'abbé, ça se justifie amplement parce que nous avons atteint ce qu'on appelle le crépuscule moral. Tout est permis. Et ce n'est pas normal. Pourquoi l'intellectuel ne sait pas ou fait semblant d'ignorer sa fonction dans la société? L'intellectuel, il vit comment? Il doit être impliqué dans la réalité de ses semblables. Mm-hmm. C'est un témoin, comme je disais tantôt, un témoin attentionné et qui n'est pas indifférent. Il sait s'élever pour le bien, pour la justice. Commençant par lui-même. On ne peut pas avoir un intellectuel fainéant. Mm-hmm. Un intellectuel, c'est au départ un travailleur qui peut être fier de ce qu'il a gagné honnêtement. Tu ne peux pas faire une leçon ou ne fût-ce que contribuer à redresser une société dont tu es pourfendeur au départ. Mm-hmm. Ça pose problème. La première qualité que confère l'intelligence, c'est l'humilité. On ne peut pas voir un intellectuel dit des seigneurs orgueilleux. Non, parce que plus on connaît, plus on se rend compte de l'énormité des choses qu'on ignore. Oui. Et on est humble. On ne peut pas arriver aux gens des catastrophes qu'on a connues ici. Je prends un exemple, Boukangalonge. Nos papas de l'INERA ont crié dans tous les sens pour dire que le maïs ne peut pas pousser là-bas. Parce qu'ils connaissent le pays, ils l'ont étudié depuis longtemps, ils disent le projet maïs ne peut pas marcher là-bas. Mais nous sommes venus, nous avons la technique sud-africaine. Orgueil. Et on a vu les résultats. Ce sont des choses comme ça dans lesquelles l'intellectuel... Parce que qu'est-ce qui arrive? On a l'impression que ce sont les responsables politiques qui commencent à conseiller leurs conseillers au lieu que ce soit l'inverse. Non, on doit être à même de pouvoir dire, chef, ce que vous dites là n'est pas bon, ça ne nous amène pas. Oh non, si je dis ça, je serai au chômage. Mais justement, c'est ça ton rôle, d'accepter dans la mesure du possible de perdre ton poste et de sauvegarder la vérité. Donc l'intelligentsia, c'est cet homme... C'est ce décideur qui sait écouter les autres parce qu'il ne connaît pas tout et cette modestie-là peut aider à la reconstruction du pays. L'exemple de Boukangalonzo que vous avez donné, s'il peut servir pour l'avenir, ce ne sera que bien. Mais c'est quand même pas facile de donner des conseils à ceux qui n'appartiennent pas à la classe des intelligentsia. Mais justement, ce n'est pas l'intelligentsia nécessairement qui dirige. Les rôles de... Les politiques sont séducteurs, mais ils doivent être bien entourés par ceux qui savent où nous devons aller. En fait, un responsable politique n'est pas obligé d'être génial. Il s'oblige d'être bien entouré. Très bien. Pour que ceux qui connaissent l'amènent vers le bon port. Mmh. Mais si c'est lui maintenant qui conseille... C'est le monde à l'envers, n'est-ce pas, monsieur Bonigaba? Oui, je crois que le vrai problème, parce que monsieur l'abbé a parlé du livre de Mabi Kakala, la remise en question, base de la décolonisation mentale. En fait, nous sommes en train de vivre les conséquences de la remise en question. Ça veut dire qu'en fait, la décolonisation mentale n'a jamais eu lieu. C'est cela le vrai problème. C'est que aujourd'hui, nous voyons que l'intelligentsia ne joue pas son rôle, et tout, etc. Mais c'est parce que justement, la décolonisation n'a pas eu lieu. Notre mental est toujours extraverti. Et donc, au lieu de continuer à épingler ce qui ne va pas, à faire prendre la liste et tout ça, il faut revenir à ce qui est fondamental. Oui. Cette remise en question, on ne pourra pas l'occulter indéfiniment. On a vu, pour ne pas vous couper la parole, on a vu des cancres être surpris de ne pas appartenir au pouvoir. Mais c'est grave, c'est qu'ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Alors que tout le monde sait que ce n'est qu'un
monsieur qui fait pitié et lui-même se dit, mais comment je ne fais pas partie du pouvoir? C'est qu'il ne sait pas poser la question de savoir qu'est-ce qu'il était véritablement. Il n'a pas fait cette remise en question nécessaire. Mais parce que entre temps, là, abreuvé de chancelot copain, alors, il s'est dit, ben oui, ben, si c'est comme ça, effectivement, moi aussi, je peux prétendre au même rôle, aux mêmes responsabilités que tous les autres. Donc, il ne se pose plus la question de se demander si, est-ce que je suis vraiment légitime pour revendiquer ce que je revendique là. La remise en question, il faudra la faire. Et moi, je crois que l'intelligentsia doit être convoquée pour faire ce travail de remise en question, pour enfin construire un Congo qui repose sur des bases solides. Alors, mon cher ami Boubimba, oui, il nous reste trois minutes. D'accord, on ne veut pas avoir l'idée de l'intelligentsia uniquement en ce qui concerne les politiciens ou ceux qui occupent des hauts postes. Je crois qu'ils ont une plus grande responsabilité, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut ramener ça à tous les niveaux de responsabilité. Vous êtes responsable de donc la... Vous êtes étudiant, oui, par exemple. Vous êtes responsable de la voirie de votre commune. Je ne sais même pas si ça existe. La voirie urbaine, on ne sait même pas ce qu'elle fait. Bon, mais là, on devait avoir des voiries par commune. Vous êtes responsable de la police dans votre commune. Vous êtes responsable d'un directeur d'école. Vous êtes directeur d'école. La responsabilité du directeur d'école. Vous êtes administrateur d'une société. Vous êtes ministre, vous êtes chef religieux. Mais à tous les niveaux, le sens de responsabilité, le sens de redevabilité, l'accountability, il fait partie des normes de bonne société. D'accord. De l'intelligentsia. À tous les niveaux. Vous dites que voilà, ce que vous avez, c'est un mandat. Diriger une école, c'est un mandat, parce que cette école, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas seulement vos enfants. Mais les enfants de la société, de la communauté. Et bien, vous gérez ça en bon, comme on dit, en bon père de famille, c'est-à-dire en bonne intelligentsia. Très bien. En faisant le job description pour savoir si vous êtes vraiment à votre place. Monsieur l'abbé. Eh bien, je voudrais ajouter un élément que j'estime très important et qui n'a pas été suffisamment évoqué au cours de notre échange ici. C'est le fait d'une intelligentsia structurée. Une intelligentsia organisée, structurée pour produire le résultat qu'on attend d'elle. Une intelligentsia organisée, n'est-ce pas, de manière systématique. Et ça, c'est un élément important. Une remise en question, oui, nous la faisons chacun pour sa part, mais il faut que cette remise en question qui est nécessaire, et je dirais même indispensable au niveau personnel, soit une remise en question organisée, structurée au niveau d'un groupe qui se constitue comme une sorte de conscience collective, une conscience qui remet en cause ce qui ne fonctionne pas dans notre normalement. Alors, deuxième élément que il me semble important, on a parlé des politiques qui dirigent, des dirigeants à tous les niveaux, n'est-ce pas, que ce soit au niveau politique, au niveau des églises, au niveau des familles, au niveau des entreprises et tout ça. Il y a un aspect de cette intelligence qui doit intervenir dans la gestion ou dans l'organisation de la gestion. C'est ce que moi j'appelle l'intelligentsia qui joue le rôle de think tank. C'est-à-dire l'intelligentsia qui joue le rôle d'analyse, de réflexion analytique et critique, pour proposer aux preneurs de décision, aux décideurs politiques, religieux et autres, pour leur proposer des idées claires, des analyses clairvoyantes, n'est-ce pas, qui amènent les décideurs à prendre les bonnes décisions en faveur toujours de la communauté et de l'homme et de la promotion de l'homme. Une minute à Magala, vraiment une minute.
justement, on n'a pas cessé de dire que l'intelligence n'est pas nécessairement le résultat de l'université. Mais pour arriver aussi à une bonne intelligence, on devrait penser à faire aussi une université élitiste. L'université de masse qu'on est en train de faire ne nous amène pas nécessairement à de bons résultats. Parce que même dans nos villages, il y a une formation de base, mais pour l'intelligence, il y a une formation particulière. Et ce n'est pas tout le monde qui y allait. Qui y va, c'est qui a la capacité d'y aller. Ou on a découvert en lui certains oui, qui font qu'il est éligible à cette classe supérieure. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre. C'est dangereux. C'est-à-dire, maintenant, là, on commence même à penser à faire une université gratuite. Ah, mais c'est dangereux. Très bien. Boni Gaba. Oui, je crois que M. Labbé a vraiment touché là où il fallait, parce que pour moi, en venant à cette émission, je me disais, il faut que nous arrivions à bien faire comprendre que l'intelligence est structurée. C'est ça qui a manqué dans ce pays depuis 60 et qui a fait que nous n'avons pas réussi à nous décoloniser mentalement et donc à prendre le bon départ. Aussi longtemps que nous n'aurons pas fait ce travail-là, nous allons continuer à nous plaindre de choses qui ne marchent pas et tout ça, alors qu'en réalité, nous avons pris le mauvais départ. Je vous donne une minute. On la structurerait comment? On se fréquenterait entre les gens de proposition? Non, ceux-là, ils devraient se reconnaître. Ils devraient se reconnaître et comme il s'agit... Et se retrouver de temps en temps. Oui, oui, il s'agit de faire en sorte que ces gens se retrouvent et forment un corps. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'en échangeant les idées, en s'enrichissant mutuellement, on arrive à proposer... Des think tanks. Ces analyses qui permettent aux décideurs de faire ce qui doit être fait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je veux seulement vous poser la question de savoir si vous, qui nous avez écoutés, vous estimez en âme et conscience que vous faites partie de l'intelligentsia. Si vous ne faites pas partie, faites un effort pour finalement arriver à rejoindre ce groupe en faisant des analyses sur vous-même, en sachant, en vous connaissant finalement. Les Grecs ont dit « notis auton », je me connais profondément, je peux faire ça. Je peux aller à l'université parce que je sais que je suis intelligent. Je peux accomplir cette tâche. Si vous avez répondu à cette question de manière profonde, eh bien, nous aurons réussi cette émission que nous avons proposée avec joie. C'est la première de cette année. Merci M. Moubimba, merci M. Labbé, merci Maître, merci Mboni Gaba, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.